Salut à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo sur 10 phrases utiles à apprendre par cœur. Et aujourd'hui, nous sommes dans la situation où vous servez dans un restaurant un touriste anglophone. Que pouvez-vous dire? Donc, je vous rappelle que je vous dis les phrases uniquement en anglais pour éviter le passage par le français, pour éviter de penser en français et de prendre des mauvaises habitudes, d'associer l'anglais au français. Je vous dis les phrases uniquement en anglais et si jamais vous avez un doute sur le sens ou si vous voulez, si vous ne comprenez pas cette phrase, regardez sur la vidéo, c'était écrit en français, mais je ne la prononce pas en français, je la prononce uniquement en anglais. C'est parti! Hi, what can I get you? Hi, what can I get you? Hi, what can I get you? Would you like something to drink? Would you like something to drink? Would you like something to drink? What would you like to eat? What would you like to eat? What would you like to eat? Can I get you anything else? Can I get you anything else? Can I get you anything else? Are you ready to order? Are you ready to order? Are you ready to order? Here is the menu. Here is the menu. Here's the menu. Take your time. Tell me when you're ready. Take your time. Tell me when you are ready. Take your time. Tell me when you're ready. Are you in the mood for dessert? Are you in the mood for dessert? Are you in the mood for dessert? Sorry, we don't take credit card for less than 2,000 Pacific francs. Sorry, we don't take credit card for less than 2,000 Pacific francs. Sorry, we don't take credit card for less than 2,000 Pacific francs. Good. We are open from Monday to Friday
from 6 a.m. to 5 p.m. We are open from Monday to Friday from 6 a.m. to 5 p.m. We are open from Monday to Friday from 6 a.m. to 5 p.m. Ok, donc nous avons vu dans cette vidéo 10 phrases utiles à apprendre par cœur dans la situation où vous servez dans un restaurant à touristes anglophones. Je vous rappelle que pour apprendre par cœur des phrases, vous pouvez réécouter la vidéo plusieurs fois jusqu'à ce que les 10 phrases soient sues par cœur. Vous pouvez les noter sur une fiche que vous gardez avec vous dans votre sac et que vous pouvez relire plusieurs fois par jour pour les intégrer. Je vous rappelle aussi que vous pouvez les réciter à quelqu'un, ces 10 phrases, sues à voix haute. Donc vous donnez votre fiche et vous récitez à la personne en face de vous pour être bien sûr que vous les avez par cœur et elle peut vous corriger, cette personne. Et enfin, vous pouvez réécrire les 10 phrases sur une feuille régulièrement, soit pour apprendre les phrases, donc pour vérifier que vous les savez, soit pour vous les répéter et pour vous les rappeler régulièrement. Voilà, on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo sur 10 phrases utiles à apprendre par cœur. Have a good day, bye!